Oui, merci d'avoir été connecté à la chaîne Nabino, à la chaîne Nabino, Tindika, Ezawana, toujours pour Nabino, vous allez connecter à vos informations, surtout comme d'habitude avec Yannick Stopira, de Nabino, ou toujours qui t'a partout, que le Nabino a des informations qui t'a partout pour Nakosepe et Sabino. Mais les autres, moi, je suis Radex, pour me trouver sur la Nabino, je sorti à Corps, Yannick Nabino, aussi, bon, je suis quand même pour Corps, Wana, et je suis déjà dans la plateau, trouvé là par rapport il y a temps. Bonsoir, moi, je suis Radex Suprême. Bonsoir Ndeko Nangai, on est toujours là. Ok, bonne santé, bonne évolution, Yalit. Non, ça va. Dieu est grand, Dieu fait grâce, Tozo continue toujours qu'on lutte, Tozo continue toujours qu'au bout, on reste debout. Voilà. Voilà, mais tout qui est mort par rapport à l'actualité. Mais c'est comme si vous restiez tout le monde qui est corps, il y a aussi décidé qu'il faut bimer. Mais c'est comme si l'it n'a pas abouti à rien. Lutte qui aboutir n'a rien, ça veut dire quoi? Nazo comprendre les tétichicos, là où le lutte est aboutir à rien. La lutte c'est tout un processus, la lutte c'est dans la durée. La lutte est spontanée, t'es mal à moi, pas. Bah oui, il y a spontané dans le cadre, ouais, même de l'autre côté, bah, Libye, bah, Burkina et tout. Il y avait un tandem, il y a Banamboka, la diaspora, les forces vivent sur le terrain, bah, diaspora, na bango, et puis ils ont atteint un objectif. Par contre, Bissot, on est en train de pêcher un tout petit peu parce qu'on n'a pas, il y a manque de cohésion, manque d'amour, manque d'unité, et commis un peu business de tout ce qu'on est en train de faire. Mais à côté de ça, il y a ceux qui se battent pour de vrai, il y a ceux qui se battent avec le cœur et la raison. Donc je pense qu'il faut laisser le temps au temps et non apporter des conclusions à bruit. Mais heureusement qu'une nouvelle que nous, petite date, il y a sorti encore à Rossi, au Lobakini par rapport à sa nouvelle heureusement. Non mais je pense que la lutte au Tozo Mené, il ne faut pas se calculer juste dans Accor Arossi ou bien la date il y a sorti Accor Arossi. Je pense que la lutte au Tozo, bon en fait il y a des gens au Bakoufi Koufi Pédé Bélé, hein. Il y a Deschade Bakoufi, Hussein Bakoufi, Kapangala Bakoufi, Papi Chistoka Bakoufi, ils avaient de la famille, ils avaient des gens qui les aimaient, ils avaient choisi la lutte. Alors Bakoufi, donc je ne pense pas que tu limites la lutte car on a bango, parce que ce qui fait que tu dis comment tu vas limiter déclenchement y a en finir avec ce régime qui est déjà aux abois, mais le magamé s'est changé. Donc je pense que les faibles veulent nous ramener na corps y a aussi car comme c'est comme si lutte hein, donc il y a un accord non c'est pas vraiment ça, mais bien sûr ça peut nous servir comme élément, comme astuce moko ya bitumba, comme donc le mot et qui ko créer et qui ko déclencher le moko boy, tu vois, et ko déclencher le moko boy nakata mitou ya activiste nakata mitou ya politique nakata mitou ya peuple. Et puis je pense pas que le histoire, il y a corps, il y a aussi, je pense qu'il faut comme déclencheur et logo, parce que je remarque comme il y a trop que sur les réseaux sociaux, dans le groupe WhatsApp, tout ça, dans le Facebook, dans le Twitter, et il y a beaucoup de récupérateurs, des opportunistes, et comme ils s'en approprient, et comme ils font business, comme ils sont là sur le corps de Rossi, en termes de mongo, en termes de t-shirt, en termes de. Il y a combo, il y a Rossi, on est comme voilà. Mais quand on va enterrer au monde, on va dire que c'est pas un Rossi, comme ils ont oublié Papichi Swaka, comme ils ont oublié Gabi, comme ils ont oublié comment il s'appelle Kapangala, comme ils ont oublié Hussein, comme ils ont oublié tous ces gens-là qui ont combattu pour la cause de la nation. Mais Radex Suprême, par rapport à Sabino, activiste, vous ne pouvez pas répondre à l'obsèque de Sabino ou à la même lettre. Est-ce que vous pouvez se préparer pour ça, réunir une stratégie pour ça? Non, mais déjà, il y a des gens malhonnêtes, entre guillemets, des aventuriers qui veulent s'approprier le corps de Rossi, créer un collectif, un comité pour bouffer de l'argent de la diaspora et de beaucoup de gens, mais qui en réalité n'ont jamais connu Rossi. Ils n'ont jamais été amis à Rossi. Peut-être ils ont eu la chance, Nengizara, que non, Okangi, tu prends une carte Nanga Radek, après tu vas chanter que non, voilà, j'étais ami à Radek. Mais beaucoup n'ont pas connu Rossi pour de vrai, mais aujourd'hui veulent récupérer la situation pour leur compte. Parce que Baebi, intérêt, généré. Mais en termes de mobilisation, en termes d'action, en termes de sensibilisation, en termes de propagande, en termes de communication, rien n'est fait. Nous le sentons même dans la rue, dans le quartier, avenue, partout, rien n'est fait. D'abord, faut-il dire que
photo y est belogo moroboué. Batignos va dire qu'aux alaba leaders dans des mouvements citoyens, ils ne veulent pas l'unité parce que unité est au katabango le biftek. Alors pour être un leader, il faut avoir la notoriété, il faut avoir le charisme. Batbabo ça n'est pas quoi. La notoriété compte, le charisme compte, la renommée compte. Yo et ben même au coin de ton avenue, mais tu veux être à la tête. On nous a gaga yo, il faut yo 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 yo. C'est quand même à la limite, c'est un monde un peu drôle. Mais bon, Bissot, le problème, c'est que tu préparé Nini. Tu parles du corps de Commandeur aussi. Tu préparé Nini. Moi, je pense que tu s'est retrouvé Bissot Nyonso le 17 mai, jour en Apon, a d'abord honoré la mémoire de l'illustre disparu. Honoré la mémoire d'un martyr. C'est un martyr. Il y a Lutz Oyo. Il faut tout y en a avec une pensée pieuse. Mais na kan na na rata moutema. Et on a créé des ordres pour chaper force de l'ordre pays à la wana. Bon, on a évité bino boto ben ani des ordres parce que autorité y est autorité entre guillemets oh yo ben autorité. Azo banga parce que quand y en a rata moutema bato parce que soka banga ko banga tende sa bisa kor ya rosical. C'est la peur qui les anime et ils ont empêché bango ba libérer à la famille le corps de Rossi parce que Rossi n'appartient pas seulement à sa famille biologique, mais à sa famille où est le Congo, bah activiste, bah politique, société civile. Donc bisous tout wana. À sa mutunamse. Donc je pense que jour wana, tu vois bah que non, oh les gars, jour wana. Et puis je pense que je suis en train de prier que les jour mon bah activiste bas à la bangoto uni. Bien que ça moi passe puisque tout le monde vise l'intérêt. Nous on a payé pour qu'on manque à unité, on manque à cohésion, on manque d'amour, on manque il y a esprit à ressentir parce que activisme maintenant en fait à cette chaque jour est comme business. Pourquoi? Parce que porte est comme facile à partir activisme, visa est comme facile à partir activisme, victimisation se victimiser pose un bon, on a subvention, on a poche noire on ebi est comme facile les lots. Alors, tout le monde se la joue maintenant. Donc, tout le monde se donne à cœur parce qu'il a dit que ça va rapporter. Et Bissot Siko, guerrier, combattant, pour l'amour du Congo, et comme il est découragé, mais comme on peut s'en kanda. Mais je pense que tout le monde semble que jour en haut, le 17 mai, ce qui peut être en haut, parce que combien de fois ils ont reporté par peur. Ils ont peur que le peuple s'exprime. Je pense que les éléments mon kobo, le peuple congolais, il faut se saisir. Non, bah activiste, il faut pas se saisir. Non, bah politique, il faut pas comprendre que le gouvernement a peur. L'État congolais. On a tapé tant sur la population. Justement, c'est la peur. Bazobanga, n'importe quoi. Bazobanga, kozongi ça le corps, il a peur de ce qu'il dit. Ils savent que écoute, un déclenchement est là comme mon kobo. Mais c'est ce déclenchement là que nous aussi nous attendons. Nous sommes toujours à l'affût à Elokuwana. Nous nous préparons pour ça. Nous nous préparons pour ça. Nous savons que tôt ou tard, ça va arriver. Et c'est eux qui vont payer le prix de cette mégestion. Et c'est eux qui vont payer le prix à Babouzobo et tout. Et c'est eux, c'est ce jour-là que le peuple va se venger. La révolution sera brutale, mon frère. Révolution à la Kanda. Mende ko Radex Supreme onde ko mona ma pe emission nga ka kalobi ke non de ko stopika to senga pe ke kor wana pe chiko pe fo fungula ba pomola sa ba sala ya ndiko te reste ke zaik toujours bloqué tende ba kina ko kunda est-ce que réseau wana za pe réseau ko lobape ke ne fo ba tuba mona kor wana non mais bangono ba ba nani o meni place na mona faiblesse na so ba mouvement citoyen ba activiste et les politiques tozo banga minduki tozo banga ba soda. Nous nous contentons des petites actions. Aussi, moi, papier bokeh à 5, 10, donc des actions que non, pour mon absolu, que non, tout ça là qui marche, tout manifesta qui, moi, 5, 6 personnes. Est-ce que ça va déranger le système? Est-ce que ça va bouger les choses? Non. Nous avons compris que ce gouvernement a peur. L'État, donc les gens qui sont au pouvoir ont peur. Mais toi, utiliser le quoi, là? Toi, tu sais quand il est là. Parce que la peur, en fait, a changé de camp. C'est quoi, il faut que tu aies procédé, ni procédure, ni. Tu as mis la banque parce que
le résultat final est anine, le calcul final est anine. Que M. Kabila et sa bande baken va libérer. M. Kabila, tu as combien de fois pour que les gens comprennent? C'est ce même discours que nous tenons sur les réseaux sociaux comme à la télévision sur le terrain. Mais même discours sur le banan de Kouadek, c'est pour un Arokien, la Makassi, la marche de Arokien, les choses claires, mais les élections ont confirmé le 23 décembre. Les choses claires, nous sommes tous les gens qui ont été élus. Quand on a eu date d'élection sur les cas le 19 décembre, il fallait qu'on. Il devait partir le 19 décembre et nous permettre d'organiser les élections calmement. Nga date où on a eu le 19 décembre 2016. Est-ce qu'on peut donner du crédit à un monsieur qui a été incapable, c'est le, entre guillemets, le garant de la Constitution et de la nation. Un garant de la Constitution et de sa nation incapable d'organiser ne fût-ce que les élections. Incapable de pacifier le territoire national. Incapable de donner à son peuple de l'eau, le besoin social de base, l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé. Incapable de donner quoi que la paix sociale à son peuple. Moutoua Bongo, vous croyez qu'il va organiser les élections? Est-ce que il y a 2006, 2011, tout ça clair. Ben élection, oh y a Trukaki, oh y a Trichaki. Ben oh non, le père est Tshisekedi a gagné qui? Oh Bongo ba Trafikaki. Non mais attendez. Comment vous voulez accorder du crédit dans moto à s'accrocher au pouvoir par défi, par la force? Ou russe, c'est comme une force par défi, je suis là. Ce monsieur-là ne quittera pas le pouvoir. Et j'ai bien peur que Masolo et les gars qui n'a réussi se reproduira. Et encore faut-il se poser la question, est-ce qu'il y aura les élections? Na date au bango ba pesuana parce que na makamundenge zo kendelele enrôlement ya ba congolais à l'étranger, on en est où? Mais les gens doivent arriver à comprendre que la diaspora congolaise est partie prenante ya masolo za nakati ya mboka oyo. La diaspora congolaise a le droit, a un droit légitime sur le sol, sous-sol gestion de ce pays. La diaspora congolaise mérite d'être inclue na kati ya masolo ya mboka. Bah, peut-être bango mo bazo s'isoler na ngena bango. Peut-être bango mo dit comment diaspora il donc elingi ke ba politiciens na bayaka ya kakuna ba teli bango ba mesa ba teli bango ba ayambi bango ils font des conférences et tout ça. Ba politiciens na bayaka neti ba donneur de leçons. Baka ko rançonner bango baka ko bimisa bango ba mongo bango baka ko acclamer ba politiciens qui ne font rien sur le terrain. Pourquoi eux-mêmes ne peuvent pas prendre le pas ba travailler d'égal à égal avec ces politiques là, avec les activistes? Nous travaillons en partenariat donc d'égal à égal pour le bien du Congo. Donc moi je pense que, pour revenir à ta question, je crains fort que M. Kabila sale loco. Et je sais qu'il ne le fera pas. Bon, garder émission Oyo, jour en autre coma, élection et Rosalaté. Mais s'il y a élection, il y aura boutique, il y aura trafiqué. Vous pensez que il y a aux affaires là, avec toutes les charges Oyo pesées contre Yé, contre staff Naye, clan Naye, il y aura des sanctions. Bah, sanctions à l'Union Européenne, il y aura des sanctions. Bah poursuivre contre Bango. Ces pays peuvent amusiga tes Bango. Vous pensez que les gens comme ça vont lâcher le pouvoir? Non mais ils craignent des répercussions. Mais mon amboka radek er le bima ka ba CP ozongi singa momo kino CP zo landa tout monde qui madame Fatou CP ya ki awa a encourager contre justice congolaise, encourager plein que nezo kinalaise et puis a côté na ki mon amboka Vital Kamerhe bandeko ya INC ba kindaki e bandeko MS ba kinaba kutana ya boya ki makusola na mon amboka Vital Kamerhe plus ka chose ya kino bazana ba dossier na CP ngalo bango gouvernement awa ba ngaba sale pe lo côté madame Fatou Bensouda, ouais. Azana au service des blancs. C'est juste une marionnette au service des blancs. Azana et Wana. Ce sont les blancs qui décident. Et lorsque Balini sous yoté, t'as là. Lélo Belgique na Congo. Ils en ont barrandopo nani.
Les gens Schengen et Kangami, pourquoi? Visa à l'ambassade à Belgique et puis ça m'a souhaité pourquoi? Bâtiment, comment on appelle ça? L'ambassade, il y a RDC. N'a côté à Nanikuna. N'a côté à Belgique, Kuna. Oh, ils ont à côté à Anvers. Bimisi, bango Libanda. Qui parle? Le gouvernement donc belge Bimisi, bango Libanda. Comment t'es l'ingana et paré? Visez comment peut-être ma boue, donc de rester Manzela. À moins que nous avons la bonne information, mais l'information que nous avons reçue, le Congo n'a même pas un bâtiment au Guénon, Montaro Kéné, à qui on doit visa. À qui on doit un passeport, on arrête à Belgique, exacté. Ça prouve que les relations au niveau international et comment on s'est détérioré. Là aussi, c'est une faiblesse de l'État. C'est une faiblesse du ministère des Affaires étrangères. C'est une faiblesse de la politique. Il y a Bissot. C'est une faiblesse de la diplomatie. Comment le peuple congolais peut continuer encore à faire confiance à un monsieur comme Joseph Kabila? Je pense que le peuple congolais doit se saisir de ce monsieur. Il faut qu'on se saisisse de ce monsieur. Il faut qu'il réponde de ses actes, de la mégestion, durant 16 ans de règne sans partage, 16 ans de dictature. 16 ans où la corruption est matière à un degré comme pas possible. 16 ans d'instabilité sur tous les plans. 16 ans de crise sur tous les plans. Économique, social, politique. Je pense que madame, la dame de la CPI, non, les relations, donc la justice congolaise aux aidé bango pour faire le travail. Je pense que la seule fois où la justice congolaise et Salissa Bango Dali, lorsqu'ils ont livré Bemba, lorsque la justice congolaise a livré Bemba pour leurs intérêts, et lorsque la justice congolaise a livré Germain Katanga pour leurs intérêts, comme tous les autres, ce sont les seules fois où la justice congolaise à coopérer bien à Bango. En tout cas, monsieur n'a évité. Au regard, il y a violation de nos droits et libertés. À outrance, il y a séquestration, il y a corps, il y a activistes, il y a flagrant. Et ce monde, il y a torture, il y a cachonné, il y a aner, il y a existé sous terre. Aner, demi-ap, il y a quoi. Non, ça ne peut plus exister, l'élo au 21e siècle, dans un pays, dans un État qui se prétend démocratique, une république à démocratiser. Et puis, vous voulez me parler de la CPI. Vous voulez me parler de Bensouda. On devait même avoir un rendez-vous naïe avec certains activistes, mais seulement il était saturé des politiques, pas opportunistes. Hein. Et comme elle était en passage éclair, ce n'est qu'une partie remise. Mais je pense que le plus important pour Nabi Soudak au côté en a été. Le plus important pour Nabi Soudak au continuer à revendiquer les droits et libertés Nabi Soudak. Qu'on continue à lutter pour eux. Le plus important pour Nabi Soudak c'est que le système Kabila parte. Moukolo le système ou Ekolongo. Le problème c'est que ce n'est pas tout le temps que nous pleurnichons, Bazo, Bomabiso, Bakani, Bakor, Bactiviste, tout ça. Le problème, il faut que tout agir. Pour agir, il faut l'unité. Pour l'unité, voilà, l'unité fait le nombre. La force est dans le nombre. Les gens doivent comprendre ça comme ça. Radek, il aime trop critiquer les mouvements citoyens, il aime trop critiquer les politiques. Mais quand il n'y a pas d'unité, je suis là pour ça, c'est ça mon métier. Rappeler les gens à l'ordre. J'ai la musique, oui, mais la musique ne suffit pas. Il faut continuer à bêta c'était tout le temps pour que les gens comprennent. On ne se retrouvera que dans l'unité. Tout le monde comprend, partout ailleurs, dans la diaspora, ici au pays, politique, activiste, le peuple congolais en général, c'est l'unité. Kabila, c'est la faiblesse du Congolais, c'est la division. Il travaille sur ça. Il a des requins autour de lui. Les Mobutistes, les Bossoana, les Kabilistes de première, ils travaillent pour ça. Ils savent que nous ne sommes pas unis. Et c'est avec ça qu'il va nous vaincre. Pour le contrer, il faut qu'il y ait l'unité. Mais, décorade avec ces points. Par rapport à la question, tout le monde qui peut arriver à mon amour à Moïse Katumbi qui gagne en Rwanda, et c'est panique comme ça, mais qu'il y a qui ont négocié pour la Ramotale Rébellion, sauf qu'il y a qui ont négocié pour la Ramotale Rébellion. Par rapport à ça, moi, l'idée est à Nogolobani par rapport à qui va Rwanda. Non, mais écoutez, Ngaï. Mon plateau spécial, mais la chaîne nationale, pas le blé à ma Kambongo. Bon, Nazo Lingami, au côté d'un débat, il y a
Moïse Katumbi te na Kabila te moins encore maman Baba Fatshi parce que je pense que à un certain moment de la vie le peuple congolais faut comprendre yé moko à la maître et à destin na et à destinée na Omoni, on peut tout dire sur la nationalité de Moïse Katumbi. Pour tout le monde remarquer tout le temps comme il y a non, et l'autre Mungi Katumbi, mercenaire Katumbi, et l'autre Boy Katumbi. Vous n'avez pas sali, il était qu'à procéder à l'élection présidentielle. Non, d'abord, parlons pour un débat sur la nationalité. C'est un faux débat, Lelo. Le débat sur la nationalité est complètement parce que la constitution est claire à ce sujet. Après, on va dire. Oh voilà, il y avait un moratoire sur la nationalité, tout ça, bah tiens, voilà. À une excuse, on trouvera toujours une autre excuse. C'est ça le Congolais, voilà pourquoi nous n'avançons pas. Mais si nous devons appliquer la constitution à la lettre comme des citoyens intègres dans un territoire où ils ont mérité dignité, donc appliquer la constitution et nous allons tomber à la conclusion que Moïse Katumbi n'est pas congolais puisqu'il avait perdu sa nationalité. Alors il faut pour à recouvrer en haut, il faut une procédure pour ça. Mais après nous savons c'est que le Congo est Zali. Puisque ce n'est pas le seul congolais Nakata Masolo. Ce n'est pas le seul étranger Nakata Masolo. Bazé Belé au Sénat, à l'Assemblée nationale, partout dans ma entreprise Bazé Belé et Belé. Alors lorsque c'est la seule erreur, le Parlement n'a pas résoudre avant. À force de vouloir dédouaner les gens, sauver les gens, naba moratoire sur la nationalité, voilà ce que ça crée aujourd'hui. Les gens vont chercher une excuse sur une autre excuse. Mais je pense que on devrait beaucoup, il fallait tous se concentrer beaucoup plus. La place aux Okende. On est tous se concentrer dans le débat et personne. Parce que le Congolais, ata oyena yezu okikisi awa, on lui trouvera toujours quelque chose. Aza Rwanda, aza Ougandé, aza Boy, c'est ça le Congolais. Ata bolamu, lelo bakumi papa Tshisekedi, aza laki boy, papa Tshisekedi. Mais ceux qui bossent ici, papa Tshisekedi, boy, yeli bango lelo ye awa. Bago boy ya yeka kalisu. On va comprendre. Donc le Congolais, ata yeli ye muto musu agolukara, c'est comme ça. D'où, moi je pense que les gens ne doivent pas perdre les temps dans le plateau TV pour balobela rabatou, mais beaucoup plus d'idées. Et puis, dans le mingi, bah plateau et bah débat contradictoire, il faut y fondre. Même à l'élection présidentielle, tu as un débat contradictoire. Et ça. Et on a un débat contradictoire, l'élection qui est en procédure. Au moins, tu as une procédure pour changer le système. Si on changer le système, j'ai déjà résolu, tu as déjà changé le système. Mais tu as changé le système, que non, mon amour, tu as postulé pour la nationalité. On va te dire que côté majorité, il faut toucher parce que non, il faut mandat monsieur que on va te dire que bloqué pour l'instant monsieur Katumbi est hors jeu. Disqualifié. Il est conscient que les Jakindala, que le Francis Kalombo Batika Bilo Baosalawana parce que c'est ça au balobara perdre du temps inutilement. Ça je pense que M. Katumbi attend un avocat et belé dans l'entourage naé et servir le pays et sans garantir que aux à la présidente de la République. Vous devez comprendre. On peut servir le pays dengue asa déjà na bien sûr il est populaire. Qu'aux hein. À la populaire il a forcément dit aux à la présidente de la République. M. Moïse Katumbi a fait ses preuves dans une équipe de football mais il peut continuer pe na magamutu activités et belé. Donc moi je pense que on ne doit pas en faire un débat parce que le débat sur la nationalité, la loi est claire. La loi est claire. Il y a février 2006, c'est clair à ce sujet. Hein? Donc je pense que la nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être concourue avec une autre nationalité. C'est clair. Donc quand on veut forcer les choses, on veut violer la constitution. Est-ce qu'un monsieur qui veut être à la tête de ce pays, a-t-on mis permettre à violer la constitution, est-ce que ça a sens? Consciemment, Ayebi, qu'il n'est pas éligible.
Son entourage le savent, tous ses requins le savent, tous ses renards autour de lui le savent. C'est-à-dire, je ne suis pas contre M. Katumbi. Je veux bien participer. Mais il est hors jeu, il est disqualifié. Il peut attendre le temps régularisé, mais comme on a aimé les élections, il est encore jeune. Il est encore jeune, il peut toujours se ressaisir. Merci beaucoup, Ndeko Radek Supreme. Merci à Papi Kelly, merci à Rifek Isombe, merci à Mima Wetu, merci à Kwame Chaka Ogalang, merci à Tonton Diafro Bokofo, monsieur le maire de Lille, merci à Tante Madou Mundeke, mais tout le monde est toujours un peu dérangé. Message n'a pas de problème. Oh non, mais ils ont vraiment communiqué. Hein? Ils ont juste que. Je pense que. Nous connaissons toujours Koloba. Nous, c'est la transition sans Kabila. Nous, c'est M. Kabila qui doit partir. La solution au problème du Congo, c'est le départ de M. Kabila et tout le système, surtout le système. Mobutiste, kabiliste de première heure, na oyasiko, il faut bango tubakin. Il faut laisser la place à la transition to kambambo kao ningetoling. Yango biso les gens qui sommes sur le terrain, biso nous qui sommes sur le terrain. Congo alerte, dont je suis le coordonnateur. Echa avec Ben José Luendu. Monsieur Dadi Mputu. Étudiant. Nous avons à côté à Poto. Il y a diaspora, Girac, allié, partenaire. Donc je peux citer Monsieur Damien Toam, il y a Girac. Monsieur Dido Lakama, Change, Asbel. Là c'est en Belgique. Monsieur Abbé Alphonse Kaninda. Il y a Mouvement Epiphanie. Madame Suzanne Moncassa, il y a PFDC. Monsieur Kabaïdi Wakabaïdi, il y a OCC. Monsieur Koko Baleko, il y a Filimbi. Wana, c'est na Belgique. Na UK, toza na UK, donc na Grande-Bretagne, toi, na Madame Brigitte Kusangila, il y a SCCD. Monsieur Okito Tongomo, il y a Congo Support. Na France, toi, na Monsieur Jules Loanjola, il y a TSC Solidarité. TCS Solidarité. Madame Virginie Niembo, il y a Madame Virginie Niembo Muzinga, il y a DIRPC. Jean-Louis Chimbalanga. La Suisse, toi, là, Monsieur Félix Mbaï. Monsieur Bob KMB, il y a CCE. Na Hollande, toi, là, Madame Myriam Boulosengi, il y a CMDC. Na Allemagne, toi, là, Docteur Jean-Baptiste Kankonda. La Scandinavie, toi, là, Monsieur Diego Badou, il y a CMDC. Et puis, dans la RDC, toi, là, bah, on a autre côté. Donc, c'est-à-dire, c'est une dynamique qui s'est créée pour faire partir M. Kabila. Degré, s'il, degré et de force, bon, s'il le faut. Merci, équipe. Nous avons un message à ce que vous avez poussé par rapport à tout. Non, je pense que le message est clair. Il est temps à l'unité. Nous sommes disposés à rejoindre la personne dynamique. Nous restons ouverts. Donc, Girac, allié et partenaire. Donc, non, mais moi, je reste. Bon, non, mais si les gens veulent joindre Bissot, je ne suis pas habilité. Tissico, il y a repassé ma contact, il y a de la dynamique. Mais je pense que si on passe directement par Radek, donc mon numéro est connu d'ailleurs. C'est le plus 243 81 42 45 186 ou sur ma page Facebook Radek Suprême officiel. Donc c'est bah passer tout bah nini parce que toi on a pas ça à quoi grandir cercle. Le plus important c'est faire partir M. Kabila de gré et de force si la contrainte l'impose. Merci beaucoup Radek Suprême, merci à Mustapha Malem, merci à Hermine Lassochi, merci à Bande Koutou Botala Gabiso, Tanti Nathalie Mundeke, Mima Wetu, et puis Tanti Mado Mundeke, Bande Koutou, numéro affiché, Wana Nono Makangila, Bobenga, numéro affiché, Tindika Tindika, Dalebo, Natikibino, ciao.